Me revoilà les amis. Si vous vous souvenez bien, la dernière fois nous avions vu ensemble la première partie de ma troisième saison. Mon bilan était très bon, je me suis adapté à merveille à ma nouvelle équipe, Naples joue le titre et est encore en course en Ligue des Champions. La dernière partie de la saison débute sous vos yeux à présent. Les 9 dernières journées de championnat s'annoncent folles en suspense puisque la Juve, Naples ainsi que la Roma se séparent à peu de points dans la course au titre. Alicia Silverstone, I don't have a clue. It's nothing new. Time will only tell if we the next to blow. That's why the hands in the air, every city, every show. The next big thing, yeah, we know this. But time will only tell if we'll blow or blow this. Time will only tell if we the next to blow. That's why the hands in the air, every city, every show. The next big thing. L'aventure continue en Ligue des Champions, mais en quart de finale, nous héritons du FC Barcelone et ça risque d'être très difficile de se qualifier. A la surprise générale, Naples élimine le Barça après un match aller fantastique et un match retour maîtrisé, mais ennuyant à mourir. Et après le Barça, c'est au Real Madrid de nous affronter pour les demi-finales.
Naples prend une très bonne option en s'imposant à Madrid à l'aller. La finale semble nous tendre les bras. Première blessure pour moi, mes adversaires, frustrés par leur relégation, passent leur nerf sur moi. Mon père est énormément blessé, ce qui l'a pénalisé lors de grands rendez-vous. J'ai bien peur d'avoir hérité de cela, car je rate les demi-finales retour de Ligue des Champions. Sans moi, Naples va s'incliner, puis la tragédie continue avec la victoire de l'Inter Milan en finale de Coupe d'Italie. La saison est donc terminée, Naples termine 3ème du championnat à 2 points de la Juve, qui est champion d'Italie. Une saison qui finit très tristement avec 0 trophée à intégrer au palmarès, mais avec un très bon bilan personnel. 26 buts inscrits en championnat, ce qui me place 2ème meilleur buteur derrière Gonzalo Higuaín. Le Real Madrid va remporter la Ligue des Champions contre l'Atlético Madrid, qui est vainqueur l'an passé. Et en Europa League, vous allez voir que c'est ma ville de naissance, c'est-à-dire Séville, qui remportera cette compétition contre l'AS Rome. Chelsea gagne en début de saison la Super Coupe de l'UEFA et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Comme vous voyez, mon bilan est de 54 matchs, 37 buts et 9 passes décisives. Je vous dis à la prochaine pour le début de la saison numéro 4, les gars.